Et non, je suis ici. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve à Quimper pour vous présenter Jeanne, une villa 4 façades avec garage et 3 chambres. Suivez-moi. Comme vous pouvez le voir, la pièce de vie de Jeanne est un petit peu à remettre au goût du jour. Par contre, ce qui est vraiment chouette, c'est qu'on a une pièce qui est traversante et hyper lumineuse et qui après dessert un petit peu partout dans la maison. Un des gros points positifs de Jeanne, c'est sa cuisine qui est hyper grande. On a 3 orientations possibles, elle est super lumineuse et très très bien équipée. Dans le prolongement de la cuisine, on va retrouver une salle de douche, l'accès à la cave, une salle de bain et la buanderie. Selon moi, il faudrait ouvrir quelques pièces pour récupérer une grande. On a même un accès vers l'extérieur, c'est hyper pratique. Pour compléter le ré, on va retrouver cette grande pièce qui fait plus de 20 mètres carrés, qui pour moi devrait être une chambre au rez-de-chaussée, mais qui pourrait également être un bureau. Son gros plus, c'est qu'on a un accès direct vers l'extérieur. Au premier étage, on va retrouver un hall qui dessert 3 chambres, qui sont toutes équipées de double vitrage, de volets et de moustiquaires. Et au-dessus de moi, on va retrouver le grenier. Le clou du spectacle, c'est ce jardin qui est hyper tranquille. On est au fond d'une impasse, il n'y a pas un bruit. C'est vraiment, vraiment hyper agréable. Je ne vous l'avais pas encore spécifié, mais la maison dispose d'un garage. On est dans une rue qui est hyper calme. On est en plein milieu de Quimper, il n'y a pas un bruit. Contactez Brick pour une visite.